Nous sommes réunis ce jour pour accompagner Mathieu vers sa dernière demeure. Comme le disait un écrivain célèbre, la mort est un pont suspendu entre la vie et l'éternité. Les oraisons funèbres, c'est parfois un peu claqué. Alors j'ai décidé de m'occuper moi-même de la mienne. Sachez que j'avais misé sur cette vie et seulement sur celle-ci. J'ai pas prévu de faire appel. Je demande pas de rallonge et j'attends rien du ciel. Les enterrements, c'est pas très drôle, c'est pas la peine d'en rajouter. Je vous défends de jouer un rôle, je vous ordonne de chahuter. Je veux vous voir, souffler sur les flammes de nos souvenirs les plus intenses. Je réclame une concession dans votre âme pour ultime résidence. La vie est une partie de Scrabble. T'auras beau être super fort, si tes lettres font vraiment, tu feras pas un super score. Au grand loto de la nature, je ne m'estime pas le moins fortuné. À 40 ans, j'ai toute ma chevelure. On me l'aurait dit gamin, j'aurais tout de suite signé. Donc, comme j'étais, à savoir à fleur de peau, j'ai travaillé, rien n'y a fait. Chassé le naturel. J'avais peur, côté amour, que ce dernier me soit ôté. C'est peut-être ça qui m'a rendu balourd, qui fait que je me suis si souvent sabordé. Sachez que j'avais misé sur cette vie et seulement sur celle-ci. J'ai cherché à exploiter son potentiel. J'avais misé sur cette vie et seulement sur celle-ci. Je demande pas de rallonge et j'attends rien du ciel. J'avais misé sur cette vie et seulement sur celle-ci. J'ai pas prévu de faire appel. J'avais misé sur cette vie et seulement sur celle-ci. Je demande pas de rallonge et j'attends rien du ciel. La vie s'écoule et j'ai parfois peur de rater le coche. Je profite donc de ce discours pour ouvrir mon cœur à mes proches. Je voudrais dire à mes enfants que j'ai fait de mon mieux. Je me suis peut-être même mis trop de pression. N'en voulez pas à votre vieux, il était plein de bonnes intentions. J'ai tenté de vous transmettre ce qu'on m'avait donné. J'ai un peu modifié la recette, j'espère que j'ai pas déconné. Je profiterai pas de l'occasion pour dire à mes frères que je les aime. Car ces cons-là gèrent mal les effusions et je veux pas les mettre mal à l'aise. Profiter de la vie ou bien l'accomplir aura été un de mes dilemmes. Sens du devoir ou bien plaisir, je n'ai jamais résolu le problème. J'ai cherché à défendre mon rang sans faire de mal à qui que ce soit. Mais certains ne vous laissent pas le choix, il faut parfois montrer les dents. J'aurais pu être un peu moins hyperactif, un peu plus focalisé, avoir un peu moins de brouillon à mon actif, un peu plus d'œuvres finalisées. J'ai eu du mal à faire des choix, enchaîner les diplômes et les emplois, mais j'ai finalement trouvé ma voie, celle de ceux qui n'en ont pas. Je me stressais de passer du diabète, mais il me fallait un rappel à l'ordre. J'avais tendance à tirer sur la corde, depuis j'ai repris du poil de la bête. J'ai porté haut mes idéaux, ça m'a parfois coûté cher. J'y ai laissé quelques boulots, mais c'est comme ça, ils sont gravés dans ma chair. Ceci était mon testament, une sorte de donation-partage, une succession de sentiments. Fallait que je fasse du tri dans mes affaires avant de partir en voyage. Ça m'aurait fait suer que Lucifer me compte un supplément bagage. Sachez que j'avais misé sur cette vie et seulement sur celle-ci. J'ai cherché à exploiter son potentiel. J'avais misé sur cette vie et seulement sur celle-ci. Je demande pas de rallonge et j'attends rien du ciel. J'avais misé sur cette vie et seulement sur celle-ci. Pas prévu de faire appel. J'avais misé sur cette vie et seulement sur celle-ci. Je demande pas de rallonge et j'attends rien du ciel. Citoyen modèle, impliqué dans la vie de la cité, Mathieu s'était investi dans de nombreuses associations locales. J'avais su notamment insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'association des parents d'élèves. Il y était de tous les projets et son nom restera longtemps associé au renouveau des kermesses de l'école Aimé Césaire. On se souviendra de la ferveur avec laquelle il animait le stand de Chamboultou. Mais Mathieu savait aussi régaler petits et grands grâce à son célèbre clafoutis aux cerises. Il y eut certes cette affaire de détournement de fonds au moment de la collecte pour l'opération du petit Kylian. Mais je vous le demande, messieurs, dames,
Qui n'a jamais eu un moment de faiblesse? Qui n'a jamais succombé à la tentation?